sur notre bulle. C'est comme ça qu'on circule. C'est l'évasion vers d'autres horizons. Il y a plein d'animaux, sont tous très rigolos. Allons les voir pour de nouvelles histoires. Coquin, câline, César et Capuché. Ma chère escargotine, j'ai invité les plus grands chevaliers du royaume pour ton premier bal de princesse. Tagada, tagada. Tout le monde s'amuse au bal, oh. Et moi, la sorcière, je n'ai pas été invitée. Non, pitié, méchante sorcière, pitié. Ma vengeance sera terrible. Escargot baveux premier, je vais transformer ton château en... arrosoir. Oh, notre beau château a disparu. Où est-ce qu'on va dormir ce soir? Allez, c'est l'heure, mes chéris. On rentre. D'accord, papa. Par contre, les escargots, eux, ils restent dans le jardin. Oh non! Pourquoi? On veut rapporter nos escargots dans la maison. D'accord, et vous pouvez me dire pourquoi? Ils vont avoir froid dehors cette nuit. Ben oui, ils n'ont plus de château. Ah oui, ils n'ont plus de château? Eh bien, si vous voulez mon avis, ils dormiront dans l'herbe comme tous les autres escargots du royaume. On veut rapporter nos escargots dans la maison. Parce qu'ils vont avoir froid dehors. Je connais un royaume où il ne fait jamais froid. En route, César. Baleine, vous m'avez fait plaisir en me rendant visite. J'étais en train de poser ma nouvelle moquette. Oh, je peux le faire, je suis trop fort en bricolage. Inutile, César, ma moquette se pose toute seule. Ah bon? Cette algue spéciale moquette va se multiplier à toute vitesse en recouvrant le sol de ma grotte. Chouette, on va regarder comment elle fait. Impossible, Capucine. Pour que ces algues poussent bien et fassent une belle moquette, il ne faut surtout pas les déranger. C'est pour ça que je vais dormir ailleurs ce soir. Voilà. J'espère que je n'ai rien oublié. Oh, mon anémone. Jamais je ne pourrai m'endormir sans elle. Oh, viens, ma belle. Waouh, elle est trop belle. Ouais, pas mal. Et vous n'avez pas encore tout vu. Ou plutôt, tout entendu. Finalement, je serai mieux chez moi. Je rentre. Tu vas embêter la moquette? Où est-ce que tu veux dormir, mon roquinou? Il y a courant froid par ici. Ma petite anémone ne supportera pas. Jamais je n'entendrai la berceuse de mon anémone ici. Alors que dans ma grotte, l'acoustique est parfaite. C'est beaucoup trop sombre. Mon anémone va se sentir perdue ici. L'anémone qui a la pétoche, c'est notre gros roquinou. On va te trouver un endroit bien douillet, comme ta grotte, d'accord?
Oh, comme ça a l'air douillet. Mon anémone va adorer. Merci les amis. Oh non, la pauvre. Elle n'a pas trop aimé être enfermée, on dirait. La pauvre. Mais comment je vais pouvoir m'endormir ce soir sans ma berceuse? On va te la chanter, nous. Eh ben non, on peut pas. On dort pas ici. On doit rentrer chez nous. Ah oui. On peut entendre le bruit de la mer dans les coquillages, non? Croquinou a l'air de bien aimer ça. Elle est vraiment malade, l'anémone. Il faut la soigner, la pauvre. On peut pas la laisser comme ça. Oh, vous avez raison. Il faut vite qu'on s'en occupe. Chez moi, j'ai une petite brosse pour la nettoyer. Ça lui ferait peut-être du bien d'être brossée. Oh, la jolie moquette! Waouh, là, le gâteau s'est vraiment appliqué. Regardez, l'anémone va mieux maintenant. Elle voulait juste être dans sa maison. Oui, c'est vrai, je n'aurais pas dû l'emmener avec moi. C'est une plante de grotte sous-marine. Ailleurs, elle tombe malade. Waouh ! Je vais la laisser ici pendant que je retourne à l'épave. Elle est toute petite, elle ne gênera pas la moquette. Capucine, faut qu'on parte. Merci. Bye bye. Grâce à vos coquillages, je vais pouvoir m'endormir tout de suite. À bientôt les enfants. Même si je n'ai pas fait ma couronne de coquillages, je suis contente que l'anémone soit guérie. Oui, tu feras ta couronne la prochaine fois. Elle sera très bien sur ta tête de princesse. C'est vrai, papa, tu as raison. Chacun a sa place là où il est bien. Oh. Comme ça, tu n'auras pas froid cette nuit, Majesté. Et la princesse escargotine non plus.